l'autel. Regarde mon homme, c'est toi qui avais dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Seigneur, j'ai besoin que mon homme qui revient, voici mon autel, que mon autel parle à ma faveur. Je viens, Seigneur, renforcer mon autel avec mon sacrifice. Je veux que cet homme qui soit touché là où il est, qu'il ne dorme plus jusqu'à ce qu'il va revenir chez moi. Est-ce que vous savez que tu peux enlever le sommeil de quelqu'un si les sorciers ils le font comment? Avec des imprécations, avec des cantatoires, avec des incantations, pardon. Ils le font comment? Ils le font avec des incantations. Ils le font avec les imprécations. Mais maintenant, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu appelle. La parole de Dieu attire. La parole de Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, ma sœur. Ma sœur, tes larmes ne changeront rien. Plutôt, c'est tes prières. Les prières prophétiques, les prières violentes qui vont changer votre foyer. Votre mariage est-il à danger, comme je dis? Tu peux changer cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je le répète chaque jour, vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous avez le pouvoir dans votre bouche. Je le dis chaque jour. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. My God! Et sur toute puissance de l'ennemi. Cette femme étrangère, c'est une ennemie. Cette femme étrangère, quand tu vas parler, les choses vont changer. Tu peux semer la zizanie, tu peux semer le trouble entre les dés. Oh my God! L'incompréhension entre les deux. Oh my God! Tu es le prophète, tu es la prophétesse, ma sœur. Je parle à toi, oui, oui. Arrête de pleurer. Je le répète. Essuyez vos larmes. Essuyez tes larmes, ma sœur. Car ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps d'agir maintenant. Maintenant, je parle de maintenant. Je parle de maintenant, pas demain. C'est le temps d'agir maintenant. Vous avez des malentendus, c'est le temps d'agir. Il y a un esprit de malentendu dans votre maison. Il faut chasser cet esprit-là. C'est le temps d'agir, ma sœur. Mais si vous êtes à la recherche d'une solution timide, alors ces prières pourraient vous choquer. Parce que je serai vraiment très, très, très choqué aujourd'hui. Je vais choquer une personne parce que je vais faire des prières qui ont sauvé mon mariage. Oh, Rabosha, Rabosa, Zika, Marabosha, Zondo, Roboche, Zeka, Rabosa. Il y a des hommes qui m'appellent depuis l'Afrique. Comme un homme, il me suit chaque jour, il est au Sénégal. Et ta femme dort maintenant au salon. Je te dis, en tout cas, cette prière est pour toi. Cette prière est pour toi. Et cette prière aussi, ça permet aussi de sécuriser la maison, de sécuriser le foyer. Quand l'ennemi viendra, il va trouver. Votre maison est barricadée, votre amour est barricadé par le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous allons faire cette prière. Lorsque le malin vient troubler votre mariage, tournez-vous vers le Seigneur qui combattra pour vous. Lorsque vous ferez ces prières, quelles que soient les manipulations occultes que cette rivale utilisera contre vous et contre votre mariage, quels que soient ces sombres pouvoirs, vous vaincrez. Cette prière, on va la laisser en ligne. Ça va aider même les gens qui viendront après. Indifférés. Ils vont vivre la gloire de Dieu. Soyez sensibles seulement à la voix du Saint-Esprit. Car il sera constamment pour vous rappeler les plans de Dieu, pour vous rappeler des choses que tu as oubliées. Il va vous rappeler des choses, des mots appropriés pour toucher le trône de Dieu, pour changer des choses. Vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Je l'ai dit, je le répète, vous avez le pouvoir. Et maintenant, prenez vos armes. Prenez vos armes. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 4 jusqu'à 5, pour commencer notre prière. Je lis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu marches à la chair, mais tu ne combats pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ils vont obéir ta prière. Ils vont obéir tes prophéties. Ils vont obéir tes déclarations, tes prières. Tes prières. Alors maintenant, on va commencer par demander pardon que nous avons ouvert des portes. Tu as ouvert des portes. Tu as amené les diables dans ta maison. Aujourd'hui, ton mari il est dehors. Ta femme elle est dehors. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans ton foyer. Les enfants sont partis. Aujourd'hui, cette prière, c'est pour la famille. C'est pour ton mari. C'est pour ta femme. C'est pour tes filles. C'est pour tes enfants, tes fils qui sont partis. Cette prière, c'est pour toute ta famille. C'est pour changer des choses dans ta famille. Il y a des querelles. Il y a des ennemis gérés dans votre famille, tu peux changer cela car tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir d'amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Oh, les armes que tu utilises ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont déjà les armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Alors, pour les célibataires, écoutez, pour les célibataires, vous pouvez prier aussi pour vos hommes viennent. Ils sont là quelque part. Parce que cette prière, comme je disais, ce sont des prières puissantes. Ce sont des prières qui attirent les choses qui n'existent pas d'existence. Ce sont des prières qui renversent des forteresses. Nous renversons des raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance. Tu vas amener l'esprit de célibat à l'obéissance de Christ. La femme doit quitter sa famille et l'homme doit quitter sa famille. Seigneur, moi maintenant je vais quitter. Et que mon homme aussi quitte sa maison là où il est, quitte sa famille là où il est. Et nous allons devenir une seule personne. Oh my God. Tu as le pouvoir, tu as la parole de Dieu. Prie avec cette parole, toi qui es célibataire. Et je crois que nous allons faire une prière spéciale, rien que pour le célibataire. Et je veux que ce mois-ci, que tu puisses déjà trouver ton fiancé. Je veux que ce mois-ci, que ton fiancé puisse déjà t'apporter le projet de mariage. Je veux que ce mois-ci, ton mari ou bien ton fiancé puisse être troublé jusqu'à ce qu'il va dire non, il faut qu'on se marie au mois d'août. Au mois d'août, dans des mois. Oh my God. Je veux qu'on puisse aller chez le pasteur. Je veux que je t'amène chez le pasteur et puis le pasteur fasse directement la bénédiction. Je donne tout ce que tes parents vont demander et puis on va aller voir notre pasteur. Ton fiancé va te demander. Ton fiancé va te demander, j'ai dit, tu vas témoigner au nom de Jésus. Alors, commencez à se repentir, commencez à demander pardon, que Dieu nous pardonne. Dieu, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les portes que j'ai ouvertes. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus. Père, pardonne-moi, pardonne-moi. Demande pardon, plaide coupable. Demande pardon. Demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pour te prier. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne nos offenses. Insistez, Seigneur, pardonne mes portes que j'avais ouvertes. Répète-les, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les portes que j'avais ouvertes. Seigneur, je t'en supplie, il y a des portes que j'ai ouvertes. Que moi et mon mari, il y a qui des disputes à la maison, il y a qui des malentendus, il n'y a pas l'harmonie. Seigneur, parce que j'avais ouvertes les portes. L'ennemi est assis sur notre canapé. L'ennemi est assis sur notre canapé confortablement. L'ennemi est à l'aise dans ma maison, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie de me pardonner. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi, purifie mon cœur. Pardonne mon épouse. Pardonne, Seigneur, mes enfants. Pardonne mes enfants. Pardonne toute ma famille. Je plaide coupable pour toute ma famille. Par le sang de Jésus. 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 Oh Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi.
Roto sorobo charabada sande ketere kutoso. Roto shoye karabada se kayama ya bosho. Yondo robo sa karabada so karikitere koroyo bosha. Ramara bosho. Romashita. Romaseta. Romara bosha. Ronde bosha. Ye karabosa. Marikete si yama ya bosha. Roto so zindere bosha. Rekatasi kamaya bosha. Yondo robo sa. Yoko robo sa. Preka yekete zi yamara bosha. Rondo robo se yende be kete sikarabo roto soko robo sha rata sikarabo sa oh my god roto so rebo sha rambo sha kerebo sa yondo robo sa ikarabo sa. Merci Jésus. Maintenant tu vas prier après moi. Seigneur, je te remercie pour la victoire sur toute femme étrangère qui trouble mon mariage. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la victoire sur toute femme de nuit qui trouble mon mariage, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la victoire que tu me donnes sur tout homme de nuit qui trouble mon mariage, au nom de Jésus. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de mon mari, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de mon mari, au nom de Jésus. Mentionnez le nom de votre mari quand tu pries. Seigneur, je te remercie pour la victoire que tu me donnes. Merci pour la victoire sur toute femme étrangère qui trouble mon mariage. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de mon mari, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toutes les relations extra-conjugales entre mon mari et la femme étrangère se dégrade et meurt au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, mentionne toujours le nom. Là où moi je mentionne mon mari, toi tu mentionnes le nom de votre mari. Que toutes les relations extra-conjugales entre mon mari et la femme étrangère se dégradent. Parce qu'il y a beaucoup de cas que nous avons ici, beaucoup c'est les femmes. Les hommes, ils n'ont pas vraiment ces soucis. C'est les femmes qui ont beaucoup de soucis. Il y a peu d'hommes qui sont en ligne, qui ont des problèmes de leur femme. Il y en a peu seulement. Alors voilà pourquoi j'insiste sur mon mari. Alors je ne peux pas commencer à faire ma femme et mon mari, ma femme et mon mari. Donc voilà. Alors mets le nom de votre mari. Mets le nom de votre mari. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de mon mari, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de mon fiancé, au nom de Jésus. Sois agressive. Sois agressif. Au nom de Jésus. Sois agressive. Oh, Rabosha. Sois agressive. Chez Rabosha. Que toute relation extra-conjugale entre mon mari et la femme étrangère se dégrade et meurt au nom de Jésus. Seigneur, expose tous les complots et les plans de la femme étrangère jamais conçus contre moi par quelque source, que ce soit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les activités de toutes les femmes, hommes méchants, qui alimentent les conflits entre moi et mon mari, soit rendu nul et sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, supprime du cœur de mon mari l'intention d'épouser une autre femme, au nom puissant de Jésus. Seigneur, supprime du cœur de mon mari l'intention d'épouser cette femme étrangère. Supprime cette intention au nom puissant de Jésus. Je retire le droit de toute femme étrangère d'affliger mon mariage et ma vie au nom puissant de Jésus. Je paralyse par le feu de l'Éternel toute force magnétique utilisée par les femmes étrangères pour affliger mon mariage et ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je lis tout esprit que toute femme étrangère utilisée contre ma maison, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tous les sorts, les envoûtements, les enchantements de la femme étrangère dans la vie de mon époux, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reprends
tous les terrains que j'ai perdus à la femme étrange. Au nom de Jésus. Et ces mauvais conseils, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère les terrains que j'ai perdus. Je les récupère maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les femmes étrangères, inconnues, qui attaquent mon mariage, reçoivent l'attaque de Dieu vivant. Au nom de Jésus. Toute femme étrangère qui utilise un gilet par balle spirituel contre mes prières soit détruite avec les instruments dans le nom de Jésus. Soit détruite avec ton instrument dans le nom de Jésus. Toi, flèche de la femme étrangère qui trouble mon foyer, retourne à l'envoyeur. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute confiance et toute vantardise de la femme étrangère sur mon mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Tout plan de la femme étrangère construit autour de ma vie conjugale, je t'ordonne de te fondre maintenant. Maintenant. Fire. Par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute femme étrangère occupant mon foyer, je te balaye. Par le balai de feu. Par le balai de feu. Par le balai de feu. Je te balaye. Je te balaye. Je te balaye. Par le balai de feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes femmes étrangères planifiant de concevoir pour mon mari reçoit une fausse couche dans le ventre et une poitrine desséchée. Au nom de Jésus, ne sois pas choqué, ne sois pas choqué. Prie encore après moi. Ricabro Camarayosa. Toutes femmes étrangères planifiant de concevoir pour mon mari reçoit une fausse couche dans le ventre et une poitrine desséchée. Au nom de Jésus. Osée 9, 14. Donne l'air, ô Éternel. Quel l'air donneras-tu? Donne l'air. Un sein qui avorte et de mamelles desséchées. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Si tu étais choqué, je te montre maintenant, il y a l'écriture. Osée 9, 14. Donne l'air, Éternel. Quel l'air donneras-tu? Donne l'air. Un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Vous voyez, vous pouvez le faire cette prière. Prie encore maintenant. Toute jambe itinérante étrange dans mon foyer, soit chassée par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Tout fétiche préparé contre mon mariage par la femme étrangère, soit neutralisé. Est annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout effet maléfique de le sang brûlé contre mon mariage par une femme étrangère soit neutralisé. Est annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toute femme étrangère qui allume une bougie à cause de mon mari, j'ordonne que tu périsses avec ta bougie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne que tu périsses avec ta bougie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toute femme étrangère qui fait couler le sang à cause de moi, de mon mariage et de mon mari, soit exposée et déshonorée et que le fait des sacrifices de sang soit déclaré nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que toute âme debout nue pour influencer négativement mon mariage et mon mari reçoivent la double déception au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque incantation rendue contre mon mariage, contre ma vie, contre mon foyer, contre mon mari, soit rendue impuissante par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que représente mon mari, ma vie, mon mariage, mon foyer dans le monde démoniaque
soit consumé par le feu de l'Éternel, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui chante des incantations sur une corne d'animal pour influencer négativement mon mari, tombe par le feu. Au nom de tombe Jésus. Par le feu. Au nom de et Jésus. Meurs avec ta corne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui chante des incantations sur une corne d'animal pour influencer négativement ma femme, tombe par le feu. Au nom de et meurs avec ta corne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui met les jambes et les mains sur le mur à cause de mon époux, tombe mère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui met les jambes et les mains sur le mur à cause de ma femme, tombe mère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous allez vous rappeler que quand on prie, je vous avais dit, mettez une main gauche sur le mur et la main droite, tu fais le mouvement. Parce que c'était prophétique. Je vous avais enseigné que quand nous avons fait le nettoyage de nos maisons, nos murs se portent maintenant un nom du sali. Tes murs sont les salis. Tes portes sont la gloire. Donc quand vous touchez dans vos murs, parce que vous avez consacré votre maison à l'Éternel, et vos murs s'appellent maintenant le salut, donc vos murs entrent aussi dans vos combats, my God. Vos murs aussi combattent aussi à votre faveur. Votre porte aussi combat de votre à votre faveur. Donc tout ce qui appartient à votre maison combat aussi à votre faveur. Voilà pourquoi toi qui n'as pas encore fait cette prière, cherche ça sur YouTube, la prière pour nettoyer spirituellement nos maisons. Donc cherche cette prière et tu vas faire le nettoyage de votre maison et après vomir. Vont commencer à s'appeler le salé. Et quand tu pries, même tes murs, ils vont combattre à ta faveur. Tu vas mettre la main gauche sur le mur et tu pries. Parce qu'eux aussi mettent les mains sur leur mur. Parce que leur loge, my God, Rotoso, Robocha. Leur mur. Parce que je vous ai montré dans la Bible que le mur porte le nom du salé. Aujourd'hui, les Juifs, ils vont toujours dans le mur de lamentation. Aujourd'hui, parce que Salomon il avait fait une prière. Même si l'étranger vient sur ses murs, il prie, Seigneur, exauce sa prière. My God, Rotosorababa, Shikarababa. Ta maison, tes murs sont des portes du salut. Ta maison, tes murs de ta maison sont des portes du salut. Alors quand tu pries, il faut associer aussi les murs de ta maison. Quand tu pries, associer les portes de ta maison. Rotoso. Tout ce que nous faisons sont spirituels. Quand l'ennemi viendra contre tes portes, ils ne vont pas entrer. Quand l'ennemi viendra contre tes murs, ils ne vont pas entrer parce que tes murs sont des portes de salé. Yabrokabalabosa. Eh, tu vois, tu ne savais pas cette chose. Maintenant, tu y es révélé. Rokabroka mareka reita siya marabosa. Si tu n'as pas encore prié pour nettoyer votre maison, tu vas chercher cette prière pour nettoyer votre maison. Alors, nous allons continuer notre prière. Shanda rabosa. Rekete sikarabosa. Yeta sikaya karabosa. Tout pouvoir. Qui met les jambes et les mains sur le mur. Qui met les mains et les jambes sur le mur. À cause de ma femme. À cause de mon mari. Tombe. Et meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Ça commence à venir. Toute personne qui attache. Des charmes sur son corps. Des chaînes sur son corps. Des charmes sur son corps. Pour influencer négativement ma femme. Pour influencer négativement mon mari. Reçois la double frustration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute âme. Qui lèche une concoction. Pour influencer négativement ma femme. Pour influencer négativement mon mari. Reçois la double frustration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout matériel jeté à l'intérieur. De l'eau par une femme étrangère. Pardon, j'ai oublié.
tout matériel jeté à l'intérieur de l'eau par un homme étranger dans le but de financer négativement ma femme, soit impuissant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand moi je prie pour ma femme, toi tu dis mon mari. Ça c'est très bien. Tout matériel lié. Tout matériel lié. Cloué. Cloué. Ou conservé dans un arbre. Ou conservé dans un arbre. Contre ma femme. Contre mon mari. Soit détruit. Soit détruit. Par le feu de l'Éternel. Par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute incantation. Toute incantation. Toute incantation. Toute incantation. Toute prophétie maléfique. Toute prophétie maléfique. Prononcée et libérée dans l'air. Prononcée et libérée dans l'air. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Contre ma femme. Contre mon mari. Soit déclaré nul et sans effet. Soit déclaré nul et sans effet. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Prie encore. Tout matériel gardé. Tout matériel gardé. À l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la forêt. Ou tout autre lieu. Ou tout autre lieu. Sous la terre. Sous la terre. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Contre la vie de ma femme. Contre la vie de mon mari. Soit localisé. Soit localisé. Et détruit par le feu de Dieu. Et détruit par le feu de Dieu. Et détruit par le feu du Saint-Esprit. Et détruit par le feu du Saint-Esprit. Et détruit par le feu de vos rangs. Et détruit par le feu de vos rangs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je barricade. Je barricade. La vie de ma femme. La vie de mon mari. Contre tout contrôle. Contre tout contrôle. Et toute influence de l'homme étranger. Contre tout contrôle de la femme étrangère. Et des mauvais conseillers. Et des mauvais conseillers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout matériel. Tout matériel. Gardé, attaché, cloué. Gardé, attaché, cloué. Ou enterré n'importe où. Ou enterré n'importe où. Contre ma femme. Contre mon mari. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. 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 Fire. Maintenant. Fire. Maintenant. Feu. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. 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 Fogu. Feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis chaque ingérence. Je lis chaque ingérence. Induit dans mon mariage. Induit dans mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout aspect de séduction. Tout aspect de séduction. Tout aspect de séduction démoniaque. Tout aspect de séduction démoniaque. Organisé pour tirer vers ma femme. Organisé pour tirer vers mon mari. Soit déclaré nul et sans effet. Soit déclaré nul et sans effet. Maintenant. 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 Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que le ciel. Ô Seigneur, que le ciel. Le soleil. Le soleil. Les étoiles. Les étoiles. Et la lune. Et la lune. Combattent contre tout homme. Combattent contre toute femme. Combattre contre tout homme étranger. Combattre contre toute femme étrangère. Qui trouble mon mariage. Qui trouble mon mariage. Qui trouble mon foyer. Qui trouble mon foyer. Qui trouble ma famille. Qui trouble ma famille. Maintenant. 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 Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Chaque système de contrôle. Chaque système de contrôle. À distance. À distance. Du mal. Du malin. D'une femme. D'un homme. Façonné contre mon mariage. Façonné contre mon mariage. Soit détruit maintenant. Soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse. Toute forteresse. Satanique de tout homme étranger. Satanique de toute femme étrangère. Construite autour de mon mariage. Construite autour de mon mariage. Soit renversée dans le sang de Jésus. Soit renversée dans le sang de Jésus. Soit renversée sans jamais plus être relevée au nom de Jésus. Soit renversée sans jamais plus être relevée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de conflit. Tout
esprit de conflit et d'agitation, de la vie de ma femme, de la vie de mon mari, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de tout Jésus. Tout pouvoir qui détourne l'attention, qui détourne l'attention de ma femme, de mon mari, et l'empêche de prendre soin de moi. Il l'empêche de prendre soin de moi et de mes enfants. Et de mes enfants. Périt par le feu. Périt par le feu. Périt par le feu. Périt par le feu. Périt par le feu dévorant. Périt par le feu dévorant. Maintenant. 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 Fire. Fire. Feu. 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 Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui alimente à distance. Qui alimente à distance. L'esprit de séparation. L'esprit de séparation. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Reçois la destruction. Reçois la destruction. Reçois la maintenant. Destruction. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de toujours Jésus la main gauche sur le mur. Toujours la main gauche le mire et la main droite tu fais des mouvements. Rabosha, zikarabosha, terebosha, ikarabada son doroboso. Yore toso ya kamarai keteshi karabada sandaraboso. Seigneur, ne laisse aucune. Seigneur, ne laisse aucun. Seigneur, ne laisse aucun homme. Seigneur, ne laisse aucun homme. Seigneur, ne laisse aucun homme étranger. Seigneur, ne laisse aucune femme étrangère. Détruire le destin de ma partenaire. Détruire le destin de mon partenaire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Ne laisse aucun homme. Ne laisse aucune femme. Ne laisse aucun homme étranger. Ne laisse aucune femme étrangère. Détruire le destin de ma femme. Détruire le destin de mon mari. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, délivre ma femme, délivre mon mari, de mains et des poignées, de n'importe quelle personne, de n'importe quelle femme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lis toutes les mauvaises nouvelles. Je lis toutes mauvaises nouvelles. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, sois agressive maintenant. Je lis toutes les mauvaises nouvelles. Je lis toutes mauvaises nouvelles. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'écrirai ni. Je n'écrirai ni. Je n'écrirai ni. Je ne recevrai la lettre de divorce. Je ne recevrai ni la lettre de divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute chaîne. Toute chaîne. D'un homme étranger. D'une femme étrangère qui lie mon mariage, qui lie mon mariage, soit consumé, soit consumé par le feu, par le feu, par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme, toute femme se vantant contre ma vie, se vantant contre ma vie, je vous ordonne de dormir. De dormir du sommeil de la mort, du sommeil de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout homme étranger, tout homme étranger, toute femme étrangère sans visage, sans visage, qui attaque ma femme, qui attaque mon mari, qui attaque mon mariage, qui attaque mon mariage, reçoit les flèches de la mort, reçoit les flèches, reçoit les flèches de la mort, reçoit les flèches, reçoit les flèches de la mort, reçoit les flèches, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je commande à tous les organes, à tous les organes de reproduction de la femme étrangère, de reproduction de l'homme étranger qui suit mon mariage, qui souille mon mariage, qui suit ma femme, qui souille ma femme, qui suit mon mari, qui souille ma femme, qui suit ma femme, qui souille mon mari, d'être impuissant, d'être impuissant, d'être impotent, d'être impotent, d'être impotente, d'être impotent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je perce le ventre de tout homme, le ventre de toute femme qui dort avec ma femme, qui dort avec mon mari, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi homme étranger, toi femme étrangère qui poursuit mon mariage, qui poursuit mon mariage, je place une malédiction divine sur ton ventre, je place une malédiction, tu n'enfanteras pas ventre. Tu n'enfanteras pas avec ma femme. Tu n'enfanteras pas avec mon mari. Jusqu'à ce que tu le quittes. Jusqu'à ce que tu le quittes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi, homme étranger.
toi, femme étrangère, qui poursuit mon mariage, qui poursuit mon mari, je place la malédiction divine, je place la malédiction divine sur tes seins, sur tes seins, sur tes desseins, sur tes desseins. Tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant, allaiter jusqu'à ce que tu quittes, allaiter jusqu'à ce que tu quittes mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 toi, de Jésus. Toi la femme étrangère. Toi l'homme étranger. Ton dos ne portera pas d'enfant. Ton dos ne portera pas d'enfant. De mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes mains ne porteront pas de bébé. Tes mains ne porteront pas de bébé. Pour mon mari. Répète ça, il ne faut pas avoir peur. Je vous avais dit, je vous avais dit, ils ont fait des projets. Il a envoûté ton foyer. Il a fait des plans pour que ton mari te quitte, pour qu'elle soit avec ton mari, pour qu'ils ont fait des plans. Je vais te faire des bébés, je vais te donner des bébés. Oh, le premier bébé va porter ton nom. Non, 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 ils n'auront pas les enfants. Jusqu'à ce qu'il va quitter ton mari. Jusqu'à ce que ton mari va la quitter. C'est à toi de décider. Si tu ne veux pas décider, ah, ils vont avoir 5 enfants. Vous serez des femmes. Comme une femme m'a appelé, donc elle a accepté. Son mari fait des enfants hier, et puis il vient et revient encore chez elle. Donc ils sont maintenant deux. Ils sont maintenant à deux. Non, 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 non. Je refuse. Ma Bible me dit que l'homme quittera. Et nous deviendrons une seule personne. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est ça la parole de Dieu. Je reste sur la parole de Dieu. Je vous ai montré Osée 9, que tu peux faire ce genre de prière. Yarabosha. Sois agressif encore. Nous allons vers la fin. Toi, femme étrangère. Répète-moi ma liste. Toi, femme étrangère. Toi, homme étranger. Toi, femme étrangère. Toi, homme étranger. Ton dos ne portera pas d'enfant de mon mari. Au nom de Jésus. Tes mains ne porteront pas de bébé pour mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare devant le ciel. Je déclare devant le ciel. Et la terre. Et la terre. À toute femme étrangère. À tout homme étranger. Qui sort avec mon mari. Qu'avoir des enfants de mon mari sera une abomination dans ta vie jusqu'à ce que tu laisses mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les flèches de regret localisent toute femme étrangère qui court après mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le chemin du pain, que le chemin du pain quotidien soit fermé contre toute femme étrangère qui milite contre mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enlève le contrôle de mon mari. Des mains de la femme étrangère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute situation indésirable dans mon mariage disparaisse par le feu. Au nom de Jésus. Toi l'année 2020, libère mon mariage. Libère mon fiançaille. Pour la promotion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'année 2020, libère mon fiancé. Libère mon mari. Au nom de Jésus. Cette prière, je l'ai faite pour des femmes. Pour des femmes. Parce que beaucoup de femmes, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, papa blesse. Il m'a abandonné. Il veut m'abandonner. Il demande le divorce. Papa, il veut partir. J'ai eu seulement un homme qui m'a dit que non, sa femme demande le divorce. Voilà pourquoi j'ai conçu cette prière pour des femmes. Excusez-moi si vous voyez que je mettais mon mari, parce que je le fais. Je suis dans la peau d'une femme qui est en train de pleurer. Alors je prie avec toi. Quand tu pries avec moi, il y a le miracle qui s'opère. Ton mari aujourd'hui sera troublé. Il va te demander pardon. Il va revenir cette semaine. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. S'il y avait des malentendus dans votre foyer, il va changer parce qu'il y a une femme. Il y a des hommes qui sont sérieux dans leur maison, bien cravatés. Il est sérieux. Bonjour chérie. Bonjour bébé. Mais dehors, il a des copines. Dehors, il a des petites jeunes filles de 17 ans, de 16 ans. Là-bas, on le fait des choses. Quand il vient à la maison, il est très sérieux. Il ne joue même pas avec des enfants.
Mais dehors, on joue avec lui. Dehors, on le voit, va me prendre ça, va m'acheter ça, et fais-moi des ongles. Donc dehors, il fait tout ce qu'on lui demande. Voilà pourquoi je te dis, avec ces prières, tu vas changer l'atmosphère de ton foyer. Tu vas changer le cœur de ton mari avec cette prière. Au nom de Jésus, nous allons continuer. Charabosa. Chendirebosa. Chirabosa, Karabosa. Alléluia. Yondorobosa. Je passe le micro à Maman Lise maintenant. Il va prier contre les tueurs. Les tueurs de mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu as déjà pris position, parce que nous sommes dans une guerre, c'est la prière de guerre contre les tueurs de mariage. Ces tueurs de mariage, ce sont des personnes qui sponsorisent les conflits familiaux, l'infidélité, le divorce, les foyers brisés et la détresse maritale. Ce sont ces personnes qui initient. Ils sont là pour sponsoriser la détresse dans ton ménage. Yes. Quand tu comprends que quelqu'un sponsorise, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent les moyens. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui ne dorment pas. Pour voir ton ménage détruit. Alors, si tu te mets dans cette colère sainte, tu ne vas pas laisser ces sponsors. Si on a besoin de sponsors, c'est pour sponsoriser notre foyer à aller de l'avant. Yes. Ces sponsors-là sont comme les serpents dans le jardin d'Éden qui sont entrés pour détruire la vie d'Adam et de Ève. Alors tous ces serpents, nous allons les mettre dehors. Hors de question que tu agisses comme Ève, que tu écoutes le serpent et que tu laisses le serpent rentrer dans ta maison et piquer ton mari ou piquer ta femme. Quand tu vois un mauvais sponsor, tu le chasses de ta maison. Par le feu. Alors là où tu es maintenant, tu vas commencer à déclarer. Toi qui conspire avec mon mari ou avec ma femme pour détruire notre mariage, pour détruire notre famille, notre bonne famille, ma famille que j'aime tant, au nom de mes enfants que j'aime tant, qui aiment leur papa, qui aiment leur maman. Mais toi qui viens pour sponsoriser, pour la destruction de mon foyer, sois consumé maintenant, pas demain, maintenant même. Quand tu déclares, il y a le feu aussi qui rentre dans la maison de cette personne. J'ai toujours dit, il est hors de question que toi, qui es la femme légitime, tu fasses des cauchemars. Tu ne dors pas, tu prends des comprimés, tu as des migraines, tu pleures matin, midi, soir. Alors que l'autre, là où elle est, elle dort paisiblement, elle est tranquille. Ne laisse personne se réjouir à ta place. Ta place est ta place. Alors commence à détruire tout sponsor. Yes. Tout sponsor. Yes. Qui ont été financés par Satan, le diable. Pour venir délocaliser mon foyer, délocaliser mon ménage, délocaliser mon bonheur, ma paix. Envers mon mari, ma femme. Qu'il soit consumé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le, déclare-le. Ce sont des sponsors. On ne blague pas avec les sponsors. Vous voyez ici, quand l'équipe de France a besoin de sponsors, ce sont des sponsors de calibre. Ça veut dire que vous voyez des personnes comme des banques, des assurances, des banques comme des BNP. Des grosses moulures. C'est parce que ces gens-là ont l'argent. Ils ont l'argent et ils mettent les moyens. Yes. Donc quand on parle de sponsor, on parle de quelqu'un qui met les moyens. D'où je tiens à te rappeler, madame, pendant que toi tu dors, pendant que tu ne veux pas prier pour la paix dans ton ménage, sache que l'autre-là a un petit marabout. Il renforce chaque nuit. L'autre-là bâtit des hôtels chez son marabout. S'il faut même qu'elle couche avec le marabout pour ravir ton mari, elle va le faire. S'il faut que cet homme fasse des gris-gris pour récupérer ta femme, il va le faire. Ce sont eux les sponsors. Alors commence à brûler tous les sponsors. Brûlez par le feu. Soyez brûlés ensemble. Même si ton mari était parti. Au nom de Jésus. Par ta hier, ce soir, maintenant, il est en train de revenir. Amen. Je ne connais pas le nom de ton mari, mais appelle-le par son nom. Yes. Appelle-le par son nom. Au nom de Jésus. Comment s'appeler son nom? Rappelle-le. Rappelle-le. Au nom de Jésus. Là, maintenant, je m'adresse au bâtisseur.
toi qui fais partie des bâtisseurs et tu souffres dans ton ménage, ah, Dieu est en colère. Quand tu provoques Dieu avec des autels, le Dieu des autels est obligé de répondre. Maintenant, commence à invoquer le Dieu de ton autel. Dis, Seigneur, souviens-toi de mon autel que j'ai bâti. Maintenant, commence à rappeler Bernard. Seigneur, commence à rappeler Jean-Pierre. Commence à rappeler Jacques. Rappelle-le. Pour la gloire de ton mari. Et commence à rappeler à Dieu. Que Bernard retourne à la maison. Appelle, que mon autel trouble Bernard là où il est. Appelle-le. Que mon autel trouble là Pierre où là où il est. Que mon appelle hôtel le trouble, que mon hôtel le parle. Les hôtels le parlent, que mon hôtel Jésus, parle. Parle, Seigneur, Jésus, contre. Parle Jésus maintenant Christ. Dans le cœur de Pierre. Parle Jésus maintenant Christ. Dans le cœur de Joseph. Oh, parle maintenant dans le cœur de Jean. Parle que maintenant dans le cœur de Matthieu. De cet hôtel parle maintenant dans le cœur de John. Parle maintenant dans le cœur de Bouban. Au nom de Jésus. Qu'il soit troublé. Qu'il soit troublé là où il est. Dans la maison là où il est. Dans son sommeil. Dans ses rêves, rappelle je le sentiment son sommeil. Quand vous vous êtes je trouve ses rêves rappelle, au nom de Jésus. Rappelle au sentiment, Seigneur, réveille comment il mon mari, réveille ses sentiments. Cet homme qui réveille disait son que tu étais la femme de réveille sa vie. Son cœur, réveille oh, son cœur, réveille ses sentiments au nom réveille, de Jésus. Réveille, réveille. Au nom de Jésus. Parce que quand tu rappelles à Dieu, il y a un feu au qui descend dans l'autel. De et Dieu a agréé cet autel, donc Dieu n'a pas d'autre choix que de répondre à ton appel. Maintenant, commence à déclarer encore. Que tous les conseils maléfiques contre mon ménage, mets ton ménage dedans, qu'ils s'effondrent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils s'effondrent tous les conseils maléfiques, tous les conseils des méchants, tous les conseils des magiciens, tous les conseils des sorciers, tous les conseils des marabouts, là où ils font des réunions, des conspirations pour que ton ménage finisse en lambeaux. Commence maintenant à les effondrer. Il y a des gens qui ont bâti des maisons. Hein. Ils ont bâti des maisons, donc ils ont mis la clôture et tout, des immeubles même. Maison, c'est même trop petit. Ils ont bâti des immeubles juste contre toi. Toi, tu ne sais pas, pendant que toi, tu dors. Il y a des gens qui ont construit des immeubles sur toi. Alors maintenant, commence à déclarer que ces immeubles-là s'effondrent. Que ces immeubles s'effondrent. Que ces immeubles s'effondrent. Ces immeubles qu'ils ont bâtis sur ton dos. Toi, tu ne savais pas. Pendant que toi, tu dors, il y a quelqu'un qui se réjouit derrière ton dos. Ton mari ne peut pas te toucher parce qu'il va toucher à l'autre là. Ah ! Commence maintenant à faire tomber. Fais tomber. Fais tomber ces immeubles. Fais tomber ces murailles. Fais-les tomber dans le nom de Jésus. Récupère ta paix, madame. Récupère ta paix. Au nom de Jésus. Récupère ton équilibre. Au nom récupère de Jésus. Récupère ton mental. Au nom tu de dois Jésus. Être plus forte que jamais. Récupère, au nom de récupère, Jésus. Récupère, récupère, récupère. Au nom puissant dans le de nom Jésus. De Jésus. Récupère dans le nom de Jésus. Disperse-les. Toutes sortes d'arrangements qui ont été faits entre cette femme et ton mari. Commence maintenant à briser ces arrangements-là. Même si ton mari avait promis des choses à cette femme-là, commence maintenant à briser ces arrangements-là. Brise ça, brise au ça. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné. Commence à briser. Commence à briser. Et commence à commander qu'ils se détestent maintenant. Au nom de Jésus. Qu'ils se détestent maintenant. Qu'ils au deviennent de les Jésus. Pires ennemis de la vie. Au nom donc de quand Jésus. Ton mari voit la femme-là, qu'il la déteste comme si elle l'avait poignardé. Au nom de Jésus. Quand ta femme voit cet homme-là, qu'elle commence à le détester comme s'il lui avait fait quelque chose de au mal. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence maintenant à déclarer, j'aurai la faveur et l'amour de mon mari ou de ma femme. Déclare la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La grâce. L'amour. L'amour. Déclare toutes les meilleures au choses. Les Jésus. Merveilleuses choses. Au les bonnes paroles que tu peux déclarer. La faveur. L'amour. Au nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. La, l'amour envers ses enfants. Parce qu'il y a des hommes, quand ils détestent la femme, ils détestent aussi les enfants. Ils n'arrivent plus à voir la tête de leur maman, donc ils ne veulent plus voir aussi la tête des enfants. Parce que les enfants ressemblent à la maman. Alors maintenant, commence à demander à l'amour. Commande à l'amour. Commande. Je commande l'amour dans le cœur de mon l'amour. Je commande l'amour dans le cœur de mon mari. Je commande l'amour dans le cœur de ma femme. Au nom puissant de Jésus, que je trouve la faveur devant ses yeux. Que mes enfants trouvent la faveur devant ses yeux. Il ne veut plus m'envoyer de l'argent. Il ne veut plus t'envoyer de l'argent. Que le Seigneur touche son cœur. Au nom de Jésus. Qu'il commence à t'envoyer de l'argent. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur touche son cœur. Si ton mari commence à savoir qu'il a des enfants à côté de toi, ton mari est loin. Il y a des femmes, vous n'êtes pas séparées avec ton mari, mais pour raison de travail ou autre.
Cela fait que ton mari est loin de toi. Alors maintenant, commence à prier, barricade. Commence à prier, prie. Demande à ce que le Seigneur protège ton mari là où il est. Qu'il le protège. Qu'il aveugle les yeux de ton mari. Qu'il soit barricadé. Au point où ton mari ne peut plus voir une autre femme que toi. Que ses yeux soient même barricadés. Même si tu es à des milliers, des millions de kilomètres, que ton mari ne voit pas les autres femmes. Au nom de Jésus. Que ton mari ne baisse pas la garde devant la femme étrangère. Dans le nom de Jésus. Que mon partenaire ne puisse pas regarder d'autres femmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde son cœur pur, Seigneur. Au nom de Jésus. Garde son cœur pur. Toi qui es fiancé. Au nom de Jésus-Christ, là où il est en Amérique, là où il est en Europe, là où il est en Afrique, prie pour ton futur mari, prie pour ta future femme, parce que lorsque Dieu a créé Adam, automatiquement Ève était là. Il y a des personnes qui ne se marient pas simplement parce que l'ennemi a éloigné Ève. Ève est allée très loin dans une mauvaise direction, alors que Ève d'Adam venait dans la bonne direction. Voici pourquoi lorsque Adam l'a vue, il a dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os » parce qu'elle est venue dans la bonne direction. Commande maintenant que ton Adam vienne dans la bonne direction, que Ève arrive dans la bonne direction, afin que lorsque ton Adam ou ton Ève arrive, que tu constates tout de suite que c'est la bonne personne. Oui, commence à prier pour cela. Prie pour cela. Si tu vis avec un homme qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre ton temps, il ne veut pas t'épouser. Si c'est ton Adam, commande maintenant que le Seigneur puisse commander, diriger son cœur, que cet homme t'épouse. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, que Dieu l'éloigne et que Dieu envoie l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Au prie maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Que Dieu éloigne toutes les mauvaises personnes. Parce que l'ennemi envoie aussi les mauvais hommes. Au nom de Jésus. Contre nos vies. Des gens qui viennent pour vous faire perdre du temps. Il va te faire passer 10 ans de ta vie, 20 ans de ta vie. Il va te faire des enfants. Et au bout du compte, la personne ne va pas t'épouser et puis il t'abandonne. Alors maintenant, commence à prier contre toutes ces personnes qui viennent faire perdre du temps aux gens. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui t'a fait perdre du temps, tu dis maintenant, le temps c'est maintenant, le temps est arrivé. L'heure de mon mariage a sonné. Et j'irai contre le vent et marée. Mon mariage, l'heure de mon mariage a sonné. Le temps de mon miracle a sonné. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Je dois vivre maintenant ce que le Seigneur m'a promis. Si Dieu a avait dit qu'en 2020 je dois me marier. La gloire de Dieu. Je commande que l'esprit souffle des quatre vents et qu'il envoie à ma direction maintenant cette personne que l'Éternel avait promise pour moi. Et si c'est mon mari qui était parti, que le Seigneur le ramène. Si c'est ma femme qui était partie, que l'Éternel ramène ma femme dans le nom puissant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour l'harmonie dans la maison. Nous prions pour l'harmonie familiale. Nous prions pour l'unité familiale. Nous prions maintenant, prie pour l'unité familiale, qu'il y ait l'harmonie dans votre famille, qu'il y ait l'unité dans votre famille. Il y a des familles, des frères qui ne parlent pas. Il y a des sœurs qui ne parlent pas parce qu'il y a malentendu, il y a l'incompréhension satanique. Prie maintenant. Seigneur, je prie pour l'unité familiale. Je prie, Seigneur, pour l'unité dans ma vie. Je prie pour l'unité, Seigneur, dans ma famille. Je prie, Seigneur, pour l'unité dans mon foyer. Je prie pour l'unité dans ma famille, Seigneur. Qu'il y ait l'amour. Qu'il y ait l'amour, Seigneur, dans ma famille. Qu'il y ait l'unité dans ma famille. Seigneur, soutiens. Soutiens mon frère. Soutiens ma sœur. Soutiens mes nièces. Seigneur, j'appelle la restauration de notre famille. Seigneur, les temps passés sont passés. Nous voulons commencer, Seigneur, une nouvelle vie avec toi. Avec la base de ta c'est la base de ta parole. Nous commençons un nouveau départ, Seigneur. Que la paix soit notre partage. Que la paix soit notre partage. Que l'amour règne dans notre famille. Seigneur, l'ennemi a fait entrer, Seigneur, la zizanie, l'incompréhension, la colère, la haine, la jalousie. Maintenant, je dégage toi l'esprit de jalousie, toi l'esprit de colère dans ma famille, toi l'esprit d'incompréhension dans ma maison, toi l'esprit de malentendu dans ma famille, toi l'esprit de haine, l'esprit de colère. Prenez vos bagages. Allez,
quitter, quitter ma famille, quitter notre famille, quitter notre maison, quitter ma maison, quitter ma famille, quitter notre famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit d'harmonie, esprit d'harmonie, esprit de joie, esprit de paix, règne maintenant, souffle maintenant sur ma famille, souffle sur ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant contre les sorciers qui font des voyages nocturnes, des voyages astrales, qui sont en train de faire leurs voyages maintenant pour envoûter les familles, ils sont des sponsors de votre malheur. Que Dieu les arrête maintenant. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur leurs moyens de transport. Que le tonnerre, la foudre de Dieu s'abatte sur leurs moyens de transport, sur leurs avions. Qu'ils tombent et ils meurent. Au nom de Jésus, prie maintenant. Ratasi, Yamarabosa. Père, nous voulons dormir. Nous voulons dormir en paix. Nous voulons dormir sous tes bras. Nous voulons dormir sous tes mains. Yahweh, sous ton contrôle. Et tous les sorciers, les voyageurs de nuit, les violeurs de nuit, les sorciers, les magiciens, les gens qui font des incantations, des imprécations, maintenant dans leur loge, dans le soleil, sur la lune, sur les étoiles. Père, que le tonnerre de Dieu, que ton tonnerre, que le tonnerre de Dieu, que la foudre de Dieu s'abatte sur eux maintenant. Que la foudre de Dieu s'abatte sur eux maintenant, sur leurs avions, sur leurs moyens de déplacement. Au nom de Jésus, ces voyageurs, ces transporteurs, ces distributeurs qui marchent maintenant pour déposer, pour nous imposer leur rythme de vie. Maintenant, aujourd'hui, ils seront contrés par le soleil. Aujourd'hui, ils seront contrés par la lune. Toi, la lune, toi, le soleil, entre dans mon combat. Toi, la lune, toi, le soleil, combat ma faveur. Lève-toi maintenant, combat ma faveur. Au nom de Jésus, attaque-les, attaque tout sorcier, tout agent diabolique, tout mari de nuit, tout violeur de nuit, tout femme de nuit, tout femme de nuit, toute femme de nuit, tout violeur de nuit, tout violeur de nuit, qui soit frappé par la foudre de Dieu, par la foudre de Dieu, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dormirai en paix, je dormirai en paix, je dormirai en paix, je triomphe, je suis vainqueur, je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau, je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau, je suis plus que vainqueur, je dormirai en paix, je dormirai en paix, je ferai des beaux rêves, je ferai des beaux rêves, je ferai des beaux songes, au nom de Jésus, je dormirai en paix. Brutashika, remercie Dieu, dis merci Seigneur pour cette nuit, une nuit de délivrance, une nuit de restauration, une nuit de paix, une nuit de victoire pour mon foyer, pour mon mariage, pour mes enfants. Esprit de cauchemar, il nous a quittés. Au revoir, esprit de cauchemar. Oh, au revoir. Au revoir, l'esprit de mari de nuit. Au revoir, l'esprit de femme de nuit. Au revoir. Bye bye. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la grâce, pour la faveur, pour le miracle, pour ta main invisible. Merci d'avoir confondu mes ennemis. Merci Seigneur parce que tu as barricadé ma maison par le feu. Papa, merci pour la miraille du feu, Seigneur, qui est élevé tout autour de moi. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci. Gardez silence. Je vais prier pour vous. Mettez les deux mains sur votre poitrine. Au nom de Jésus, tout agent de trouble qui trouble ta maison, fais tes bagages sans préavis maintenant. Pas demain, maintenant, au nom de Jésus. Toi, agent de trouble, qui trouble la maison de mes bâtisseurs, qui trouble la maison de mes partenaires, qui trouble la maison de toutes les personnes qui sont en ligne, prends tes bagages sans préavis. Maintenant, quitte l'air de mer. Quitte leur foyer, quitte leur famille, au nom de Jésus. Je détruis toute programmation satanique, toute programmation maléfique contre ton foyer. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Ils ont fait un agenda contre ta vie.
Je l'annule par le sang de Jésus. Je le déchire par le sang de Jésus. Jésus a déchiré, il a condamné tout acte. Il a déchiré tout acte. Et l'ordonnance qui t'est condamnée, il l'a déchirée. Au nom de Jésus-Christ, je condamne tout acte, je condamne tout agenda qui t'est condamné. Je le déchire par le sang de Jésus. Je l'efface au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je te déclare que tu es béni, amen. Tu es libre, tu es vainqueur, amen. Par le nom de Jésus. Et tu feras des beaux rêves, tu feras des beaux rêves, amen. Tu feras des beaux songes au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel va te visiter pendant ton sommeil. Seigneur, dépêche tes anges guerriers pour combattre à leur faveur. Amen. Seigneur, dépêche un ange pour rappeler, pour réveiller une personne, Seigneur, tout ce que tu prépares pour sa vie. Seigneur, influence tes enfants dans leur sommeil. Ma Bible me dit, tu bénis tes enfants pendant leur sommeil. Amen. Bénis chacun de nous. Amen. Bénis mes bâtisseurs. Bénis mes partenaires. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont en ligne. Bénis, Seigneur, mes enfants spirituels. Amen. Bénis-les, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bénis le Seigneur. Couvre-les par le sang de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que la victoire soit leur partage. Amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci amen, Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur,